Salut à tous, c'est Adrien D. Aujourd'hui, samedi 14 janvier 2017, je vais faire un format de vidéo assez atypique parce que je n'ai peut-être bien jamais dû faire ce format de vidéo. C'est une distribution contre une autre distribution qui n'est accessoirement pas la même distribution. J'avais déjà fait un Linux Mint 17 VS Linux Mint Debian Edition. Et bien là, je vais faire un CentOS VS Debian. Alors, comment ça va se passer? C'est-à-dire que, en fait, c'est une idée qui m'a été proposée dans un commentaire d'une précédente vidéo par rapport à l'utilisation d'un serveur, d'un OS pour serveur informatique, CentOS VS Debian. Et je me suis dit, quoi de mieux que de faire ça en pratique. Donc, j'ai deux machines virtuelles identiques. Avec, ici on va virer juste le truc distant, là, le bureau distant, voilà. Donc deux machines virtuelles identiques, avec donc pour les deux, 2 Go de RAM, deux processeurs, Intel VT, pagination imbriquée PENX, paravirtualisation KVM. Voilà, donc sur les deux c'est fait. Voilà. Le seul truc qui différencie, hop là, c'est le son. Ma limite on s'en fout, je vais mettre ça comme ça, comme ça les deux seront les mêmes. On est en accès par pont, avec l'interface ETH0 avec la même carte réseau, Intel Pro 100 MT, desktop. Voilà. Et donc. Ici, dans la première distribution, enfin dans la première image, machine virtuelle, je vais mettre CentOS 7 en 64 bits. Et dans la deuxième, je vais mettre Debian 8. Hein, donc je prends les deux dernières versions serveur en date de Debian et de CentOS respectivement. Donc là, j'ai pris les images DVD. Voilà. Donc je vais lancer les deux machines virtuelles. Enfin, je vais déjà lancer la première qui est la CentOS. Parce qu'en fait, voilà. Sinon, je pars pas sur l'install. Et, parce que j'ai déjà quelque chose sur la machine virtuelle. Et dans la deuxième, je lance l'install, graphico l'install hein, de Debian. Donc, pour si vous voulez, faire un CentOS vs Debian. Donc je vais noter sur mon petit papier parce que sinon j'ai oublié ce que j'ai dit pour faire l'article après. On va regarder pas mal de petits trucs au niveau de la RAM, des programmes, des trucs comme ça. Et je vais essayer de me mettre dans un cas concret, c'est-à-dire de créer un serveur web sous CentOS et un serveur web sous Debian. Alors je vais avoir besoin de mon navigateur web Vivaldi. Hop, on va éviter d'afficher Twitter quand même. Donc je garde Vivaldi sous le coude pour éventuellement trouver un tuto d'installation de LAMP pour Debian parce que je ne connais pas très bien la distribution. Donc là, au niveau de l'install pour CentOS, je pars vraiment de zéro. Chaque distribution, enfin chaque machine virtuelle a 45 giga de disque. Et je vais laisser les partitionnements par défaut pour le partitionnement de la machine virtuelle. Donc, on va commencer par l'installation de CentOS. Donc, français. Je me mets juste en français. C'est le seul truc qui va changer. Donc là, par contre, ce qu'on va faire ici, c'est que on va juste libérer plus d'espace, voilà, parce que mon disque n'est pas vide, donc je supprime tout, voilà, et je vais laisser le partitionnement automatique. Après, niveau des logiciels, je vais laisser la sélection d'installation minimale, et je vais juste configurer mon interface réseau, donc CentOS. Je vais configurer une adresse IP statique parce que dans le cadre d'un serveur, bien sûr, il est recommandé d'avoir une IP statique. Donc 10.21.21.7 pour CentOS 7 et 10.21.21.8 pour Debian 8, comme ça sera facile à retenir.
Donc voilà, vous voyez comment ça se configure, le réseau, hop, donc 110.21.21.254, et donc le DNS 10.21.21.253 chez moi. Voilà, donc ici je termine la conf du réseau et je vais désactiver KDump. Voilà, et donc l'install démarre. Ici je crée un mot de passe root. Je vais utiliser mes mots de passe de d'habitude pour éviter de me faire piéger, de plus savoir ce que j'utilise. Donc, hop là. Donc ça, c'était l'install de la CentOS. Ensuite, le temps que ça s'installe, on va regarder un petit peu donc sur Debian. Donc je vais prendre en français, voilà, continuer, France, français. Donc ici, on n'a pas un outil où on configure tout, puis après ça s'installe, on configure étape par étape chez Debian. Voilà, donc on va laisser récupérer les paquets. Pourtant j'ai pris le DVD, mais je pense qu'il télécharge des petites choses sur internet. Oula, j'ai pas eu le temps de regarder ça. Voilà. Je vais laisser mon moniteur système sous la main là. Pour voir si je dépasse pas trop de mémoire RAM. Ah oui, je tiens à noter aussi que les deux machines virtuelles sont sur un SSD. Je sais pas si je l'ai dit, donc maintenant je le dis. Donc le nom du système, pas de domaine. Donc là on met le mot de passe root. Voilà. Ah. Je me suis trompé. Voilà. Donc on va essayer de faire. Donc on va faire un utilisateur, Adrien. On va faire la même chose, Adrien, comme ça, avec son identifiant et son mot de passe. Voilà, donc le partitionnement, on va laisser par défaut ce qu'il nous propose. Je ne sais pas ce que Debian nous propose. Donc assister, utiliser un disque entier. Ok. Donc là, tout dans une seule partition. Chez Debian. Ok. Avec une swap. Ok. Donc on applique les changements sur le disque VUI. Et donc l'installation est partie. Voilà. Donc comme ça, je note mes adresses IP. Je vais juste marquer sur mon petit papier que j'installe CentOS minimal moins KDump. Et puis sur Debian, donc on verra après, c'est base, ça s'appelle base. Voilà. Le partitionnement auto pour les deux. Donc on verra ce qui nous a fait à la fin. On a un pass des deux côtés root plus un user. Alors, on va regarder si après les deux utilisateurs Adrien ont les accès avec la commande sudo, par exemple. On va regarder un petit peu une fois que le kit minimal est installé, qu'est-ce qu'on a comme mémoire vive utilisée, comme processeur, etc., etc. On va essayer de faire un peu le tour du propriétaire. Alors, le problème de ce genre de test, c'est que, déjà, un, la vidéo risque de s'éterniser, mais c'est pas bien grave, au moins on va essayer de voir tout. Bon, ouais, on va essayer de tout faire. Après, peut-être que je vais être un peu plus indulgent avec CentOS, parce que c'est un système, finalement, que j'utilise beaucoup plus que Debian, donc... Le test, il peut être un peu pipé, mais bon, on va essayer de faire avec. Donc là, on voit un truc, par contre, c'est que autant CentOS n'utilise absolument pas le réseau, autant Debian, on est quand même dépendant du réseau, parce que vous voyez, il télécharge des petits paquets. Donc, je vais mettre ici, install DVD pour CentOS, donc full offline.
Je crois que je ne vais pas avoir assez de mon petit papier que j'ai prévu là. Et donc install DVD plus online. On a quand même des trucs. Hein. Donc souhaitez-vous. Alors, vous pouvez analyser les CD DVD supplémentaires. Non. Donc si vous souhaitez analyser un autre DVD, non. Donc on va continuer. Voilà. Faut-il utiliser un miroir réseau? Bien sûr. Donc en France. Et voilà. Donc, on va essayer de mettre ici. Donc, pour CentOS 7, on a les miroirs auto. Hein, on n'a pas le choix des miroirs. Entre parenthèses, je vais mettre c'est l'API. Et là, on a le choix miroir pays chez Debian. Hein. Voilà. Donc, par contre, pour Debian, on a oublié de préciser un truc, c'est que l'adresse IP, elle est DHCP, apparemment, auto. Hein. On n'a pas le droit de choisir une adresse IP fixe. Et donc là, vous voyez, on a bel et bien une utilisation du réseau. Donc je vais redémarrer la CentOS. C'est bon, le DVD sortir automatiquement. Donc l'avantage d'avoir une install en partie avec un peu de réseau sur Debian, c'est que normalement, à la fin de l'install, on n'a plus de mise à jour à faire, puisque tout est à jour. L'inconvénient, c'est que durant l'install, on est dépendant de la mise à jour. Voilà. Donc, root. Donc attends, par contre, je vais noter le DVD que j'ai utilisé là. Donc c'est le CentOS 7. DVD CentOS 7.104 et donc qui date du 16.11. Et là, pour Debian, c'est le DVD Debian donc 8.6.0, hein, c'était ça. Que je fasse pas de conneries, voilà. AMD 64. Donc, souhaitez-vous les statistiques des paquets? Non. Ok. Donc, on va faire une petite yum update chez CentOS pour voir combien on a de mises à jour après l'install. Donc, mage post-install. On va essayer de tout tester. Donc là, on a 39 paquets à mettre à jour, plus une installation, c'est-à-dire un noyau. Donc on a 40 mage post-install. Donc là, pour Debian, on va choisir le truc de base. Je choisis même pas le serveur web. Et vu que je sais que sur CentOS, par défaut, on a le serveur SSH, je vais l'installer, le serveur SSH. Hein. Utilitaire usuel du système, ben je sais pas ce que c'est. Hein. Donc je vais les installer. Je vais mettre SSH et usuel ici. Donc base, entre parenthèses, SSH, donc plus SSH plus usuel. Système. Pour Debian. Voilà. Sympa ce petit test. Et après, on va voir un petit peu ce qu'on a comme composant. Le problème, c'est qu'il va falloir se méfier sur certains points parce que il y a des trucs qui vont être trompeurs. Par exemple, au niveau du noyau, les numérotations sont pas tout à fait identiques. Certains ont des noyaux plus récents, peut-être moins patchés. Bon, alors ça, c'est délicat de voir un petit peu qu'est-ce qui prend en compte quoi. Et du coup, je vais prendre une deuxième feuille pour noter les résultats du test, si j'avais su, j'aurais pris une feuille A4. Plutôt que des papiers recyclés au format A6. Alors. Donc oui, on a 45 gigas de disque pour les deux. Voilà.
Donc, ce qu'on va faire, un petit df-h pour voir ce que nous a fait le partitionnement auto. Donc, le partitionnement auto sur CentOS, c'est du LVM. Avec un grand slash, slash qui fait tout, 42 gigas. Un slash boot de 1 giga. Et donc, normalement, le swap. On va regarder le swap free-m. Donc, on a un swap de 2 gigas. Ok. Donc là, on va installer juste Grub sur le secteur d'amorçage pour Debian. Voilà. Yeah. Et donc là, je vais rebooter la CentOS. Je vais utiliser des outils de base pour voir la consommation mémoire. Hop, donc là, on va redémarrer. Voilà. Donc on a 3.10.0, alors on a un kernel, hop, kernel 3.10.0, et donc chez Debian on a un kernel 3.16. Voilà, on va essayer de regarder systemd, je sais pas trop comment on va voir ça, donc... On va faire un apt get update sur Debian et un apt get dist upgrade pour voir un petit peu combien on a de paquets. Donc 0 paquet, effectivement, 0 maj. Post-install. Je vais juste bien vérifier que le kernel c'est un 3.16. Ok. Donc route. On va essayer de regarder le systemd. Alors systemd rpm-qa pipegrep systemd. Donc c'est systemd 219. Donc 219 chez CentOS. Et donc ça doit être dpkg-l pipegrep systemd. Donc chez Debian c'est 215. Ensuite donc sur Debian j'ai oublié df-h le partitionnement, donc c'est 43 giga de slash et 1912 MO de swap. Alors je vais regarder quand même, j'ai mis exactement la même mémoire, ouais, 2048, donc là on voit un petit peu déjà une différence là-dessus. Donc on va faire un reboot et je vais ouvrir sur les deux distros une ah oui, alors il faudrait que je configure d'ailleurs mon... adresse IP. Donc sur les deux, le grub est à 5 secondes. Pourquoi je note ça? Et ben tout simplement, si on reboot la distro, savoir combien de temps on attend sur grub. Tout simplement. Donc on va ouvrir une session root. On regardera les droits après. Donc là, par contre, vu que j'ouvre, ça va être très petit pour vous. Donc je vais mettre un écran un peu plus grand. Genre 125%, ça me semble pas mal. Voilà. Donc par contre, ici... Donc on va faire un free-m chez Debian. Et on voit que ça utilise, donc au niveau de la mémoire, on utilise 97 MO de RAM et donc 0 de swap. Bon, ok.
Non, ça c'est bon. Donc free-m. Chez Red Hat, on utilise 91 MO de RAM. Donc RAM, voilà. Et donc on va regarder le CPU avec top. Voilà. Top. Donc je vais prendre un autre papier. Parce que du coup, ça va se compliquer un peu. Donc, voilà. Donc au niveau de la charge à froid, donc on a un load à 0,05, 0,04 et 0,02 chez CentOS, et sur Debian on a 0,01, 0,01, 0,01, 0,00. Donc on voit que finalement Debian est un peu plus calme au repos que Red Hat. Enfin que CentOS. Je mets CentOS dans le même panier que Red Hat. Hein. Donc au niveau du CPU, on est 100% inactif chez CentOS. Quasiment. Et sur Debian, ça peut préparer entre 99,8 et 100. Donc on va arrondir à 100%. Idle. 100% à vide. Ok, alors, on va regarder si on a les outils de systemd. Ah oui, si, attendez. Je voulais regarder combien de place ça prend le système juste sur le HDD. Donc, slash, il prend sur CentOS 1,2 Go. Et chez Debian, il prend... Ah oui, mais alors là c'est pénible parce que lui il met slash 1023 mégas, donc Debian est un peu moins volumineuse sur ce point. Voilà, j'espère que ce petit CentOS vs Debian vous plaît, hein, donc désolé si j'appelle CentOS Red Hat, c'est une petite habitude. Ah oui, et puis du coup pour la racine de la CentOS, il faut rajouter 147 mégas sur le slash boot. Mais bon, ça c'est le fait déjà qu'on ait deux noyaux au lieu d'un. Au-delà de la post-install. Donc, qu'est-ce que je voulais voir d'autre avant, à froid? Ah oui, systemd analyse, est-ce qu'on l'a? Oui, blâme. Non, c'était pas ça. Systemd analyse, voilà. Donc systemd analyse. Donc ça c'est le temps de chargement de la distro, donc sur le SSD, 2,126 secondes pour initrd, 8,646 secondes pour le user space, ce qui fait au total 11,317 secondes pour le boot. Alors j'espère qu'on a l'outil chez Debian. Systemd. Yes. Analyse. Donc chez Debian, on a 3,616 secondes pour le kernel. Et 5,043 secondes pour le user space, ce qui fait au total 8,659 secondes. Donc Debian est plus rapide à démarrer. Bien. Donc ça c'est à vide. Maintenant on va essayer de mettre en place un serveur web. Alors le serveur web, on va faire très simple. On va installer le Apache par défaut, MySQL ou MariaDB, je ne sais pas qui a quoi, et PHP. C'est tout. On va faire que ça. Donc yum install, on commence par CentOS, donc httpd, PHP et MySQL. Alors, je sais pas si ça fait un MySQL serveur, je sais plus, j'ai un doute là.
Eh ben, on verra bien. Non, on verra pas bien. Je vais prendre une console parce que je vais pouvoir remonter dans la console. Donc 10, 21, 21, 7 pour CentOS 7. Ah oui, bah tiens. Puis en fait, de se connecter à... ici, donc SSH 10, 21, 21. Et puis là, du coup, c'est le drame parce qu'on sait pas quelle IP on a. 131. Donc on va rester en adresse IP dynamique. Hein. Je vais pas me casser la tête à configurer une adresse IP statique. Je sais plus comment on fait dans Network Interfaces, donc c'est pas le but de la manœuvre. 131. Je vais noter pour que je me rappelle. Donc si on fait un sudo yum install, ça va permettre de vérifier si on a bien le sudo httpd php mysql. Donc est-ce qu'on fait partie de sudo par défaut? Oui, donc je vais noter sudo ok. Donc là, je vais juste regarder le mysql. Donc c'est le MariaDB, je suis pas sûr que ce soit le serveur. Donc on va faire yes. Je vais vérifier un petit truc. Je vais vérifier un petit truc. Donc Fedora CentOS, voilà. Donc tac 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 tac, installer un serveur lamp. Donc installation des prérequis, MariaDB serveur, voilà, MariaDB serveur, le paquet s'appelle. Hein. Donc au lieu de faire ça comme un con, je fais n'importe quoi. Donc attendez, auto remove, parce que je voulais noter, voilà, j'ai oublié ça. Je voulais noter combien de MO ça prenait l'install. Donc MariaDB serveur, voilà. Donc httpd plus Maria DB serveur plus PHP, ça nous fait donc 3 paquets plus 43 dépendances et 171 MO. Voilà. Donc là, on va regarder vite fait la rapidité des dépôts, tant qu'à faire. Donc on a fait une pointe à 9,10 MO seconde. Donc on peut dire que le dépôt, il envoie du lourd. 10 MO seconde à 10 MO seconde. On va faire la même sur Debian. Alors par contre, sudo apt get install. Et donc là, c'est le drame. Parce que bien sûr, sur mon super site de la balle qui tue, j'ai pas grand chose. Alors j'imagine que la commande c'est à peu près la même. Donc Apache 2, PHP 5. Voilà. J'installe pas PHP MySQL. Hein. Donc Apache 2, langage PHP, module Apache pour exécuter PHP et le serveur de base de données. Donc hop, on installe tout ça. Donc là, on n'a pas de sudo. Donc, hop, pas sudo. Alors, on va installer sudo. apt-get install sudo. Ah, alors, vtc apt source.list. Ça, c'est peut-être moi qui ai fait une connerie. Hein. De laisser le DVD à l'installation, vu que je connais pas beaucoup Debian, je vais pas prêter attention à ça. Donc voilà, j'installe juste sudo et maintenant on va voir si on a par défaut les droits sudo. Non. Donc on va faire un petit vi sudo. Merde. On va mettre en route sudo, donc vi sudo, hop, voilà, donc je pense que... Ah, faut que j'ajoute mon utilisateur dans... Merde. Ah bah oui, vi sudo, c'est pas vi, ok, donc non. Tiens, je vais tester le truc, sudo, vi sudo.
l'éditeur de texte par défaut. Ça, c'est intéressant. Juste regarder. On fait pas partie du groupe... non. On fait pas partie du groupe Will par défaut. Donc, pas de sudo. Hein. Voilà, pas de sudo. Donc, je voulais installer quoi? Mon Apache quand même. On va essayer de faire ça. Donc là, on a quoi? Il est nécessaire de prendre 16 MO. Donc, il va télécharger 16 MO. Apache 2 plus PHP 5. On a bien tout là. PHP 5. Apache 2. Et puis le MySQL serveur. Alors, on va regarder s'il n'y a pas un MariaDB serveur. Voilà, donc apparemment il y a MariaDB et MySQL, il y a les deux. Donc plus MariaDB serveur, j'ai tout noté. Hein. Donc ça nous fait combien de paquets? Donc ça nous fait 32 paquets. 32 paquets. Pour une taille de... 21 MO à télécharger. Donc là, ça va pas nous laisser beaucoup le temps de voir la rapidité des miroirs. Voilà. Wow. Donc, on peut dire que c'est pas mal. Les miroirs aussi. Voilà, une pointe à 10 mégas. Bon, on va miser sur le fait que ce sont les petits paquets. On va dire 10 MO seconde. Donc ça débite aussi. Alors, mot de passe du super utilisateur de MariaDB. Je vais le laisser vide. Donc on a une config du mot de passe de MariaDB. Sympa. Deux fois pour le prix d'un, hein, tant qu'à faire. Fois deux. Fois 3 même. Il nous demande 3 fois. Et donc maintenant, on va activer. Donc sudo, on va repasser en route du coup pour tous. Ah oui, c'est ça que je voulais noter. Vie par défaut. Et nano par défaut. Donc je vais juste regarder dpkg, non, rpm-qa, pipe grep, donc, pardon, vie et nano. On va regarder ce qui est installé là. Donc on a vie uniquement. Et donc là, de l'autre côté, on va faire un dpkg.l. Voilà. Et donc on a Vim, donc Vim est installé, en fait je pourrais faire ça, hein, Vim. Vim dispo. Voilà. Donc on va activer les services, systemctl enable httpd, systemctl start httpd, systemctl start MariaDB et enable. Je rigole parce que à la radio il est en train de passer là dans l'émission Beau le lavabo de Vincent Lagaffe, c'est assez énorme. Voilà. Donc history, voilà, s'il vous plaît. Copier. Oh, comme il a la flemme. Ouais, non, c'est pas bon. Et donc, on va faire un free -m après ça. Une fois que tout est démarré, donc free. On a 182 MO
utilisé. Et CPU. Donc on va faire un petit top là-dedans. Donc attends de voir. Ouais, bah, quasiment 99,8 idle. Donc noté 0,2% utilisé. On va faire pareil là. Système CTL start. Donc Apache. Je pense qu'il s'appelle Apache le truc. Non, Apache 2. Ok. Système CTL enable Apache 2. Ok. Et ensuite, on va faire un petit système CTL start MariaDB serveur. Non. Alors peut-être que le service s'appelle encore MySQL chez eux. Ok. Et puis enable. Enable. Voilà. Donc free-m. Attendez. Le problème, c'est qu'on a peut-être pas la même version de Free là. 185 mégas. Et là, on a donc Free. On a 659 MO utilisé. Mais on en a... Non, on est quasi pareil en buffer et cache. Donc il faut noter 1369 free. Donc 1351 free. Et donc là, à côté... Non, 1351 c'est chez Debian. Donc 1351... MO de free. Et chez CentOS, on a 1369 free. Donc on est un peu plus léger chez CentOS. Voilà. Et donc le CPU, voilà, on va faire un petit top de l'autre côté. Au niveau du CPU, on est à quoi? On est à... ...100% idle. Autant dire, il n'y a rien qu'à utiliser. Donc, concernant notre ami Apache, on a un Apache. Alors, on va essayer. Sur Debian, Apache 2.4.10. Par défaut. Hein. Et chez CentOS, on a un Apache 2.4.6. 2.4.6, donc un peu plus vieux, mais peut-être patché pour les correctifs de sécurité. Mais moi, je regarde vraiment les composants par défaut. On a un PHP 5.4.16 et chez Debian, on a un PHP 5.6.29. Je ne parlerai pas de la disponibilité de PHP dans des versions supérieures dans les dépôts SCL de Red Hat, hein, enfin de CentOS. Je n'en parle pas. Et donc MariaDB, on a un MariaDB chez CentOS qui est en version 5.5.52. DB 5.5.52. Et j'ai cru voir que le MariaDB chez... Debian était un peu plus récent, voilà, 10.0.28. Voilà. Donc c'est pas mal, et maintenant on va redémarrer les deux pour voir combien avec les services démarrés, enfin activés au redémarrage, combien de temps ça met pour démarrer. Et je pense que ce petit Debian vs CentOS ou CentOS vs Debian sera terminé. Je vois pas trop quoi dire d'autre. Je vais pas parler des dépôts additionnels. Ça me semble déjà pas mal pour ce duel.
Ça me semble pas mal. Donc, hop, on va reconnecter sur la CentOS. Donc, hop, on va lancer un systemd analyse, si on a le droit. Ouais. Et donc, ici, systemd analyse. Donc, on va noter juste la valeur finale. Donc, sur Debian, on a 10 secondes 201. Et sur CentOS, on est à 13 secondes 225. Voilà. Donc, ce test, on va dire qu'il est terminé. Hein. Donc, honnêtement, juste avant de faire la vidéo, je ne savais pas du tout quel chiffre j'allais obtenir, puisque je n'ai absolument pas fait ce test-là avant. Donc, pour résumer, on a une CentOS 7. Ah oui, si, attendez. Il me manquait encore un truc. C'est ça. End of life. CentOS 7. Je voudrais voir les temps de End of life Debian 8. On va essayer de choper le temps de, c'est-à-dire entre le temps où c'est sorti puis le temps où il n'y aura plus de mise à jour, combien de temps il y a. Donc, hop, how to end of life, voilà. Donc, CentOS 3, donc 6. On va essayer de trouver l'info. Voilà. Donc, CentOS 7, juin 2025. OS DA. Alors, attends, DA, c'est quoi? Bon. Ah, si, on va peut-être l'avoir sur Wikipédia. Bon, j'avoue que... Donc, ici, elle est sortie, la CentOS 7, le 7 juillet 2014. Et donc... Les mises à jour de maintenance, c'est 30 juin 2024. Donc, on a 10 ans de support. Je vais marquer ça là. 10 ans de support. Et donc, chez Debian. Donc, Debian. Ah, ben voilà, on va prendre la même source. Donc, tac. End of EOL. Non, ben, je croyais qu'ils allaient en parler sur Wikipédia. Alors attendez, on va essayer de trouver l'info. Donc Debian, par contre Debian 8, je sais pas son nom de code. LSB release moins A. Donc GSI. On va essayer de trouver l'info là. Tac, donc release, ok. LTS. Donc voilà. On a tout. Donc Debian Wheezy, gnagnagna. Donc on a une fin en 2020. Oui, mais je ne sais pas quand est-ce qu'elle est sortie. Donc mai 2020, mais je ne sais pas quand elle est sortie. Donc on va faire une petite soustraction. Ah bah voilà. Debian release, ok. Donc Jesse, voilà, release date. Ah bah voilà, on avait tout là. 2015, et donc la fin de vie, on est en 2020, donc c'est à dire que on a 5 ans uniquement. Je pensais que c'était plus, 5 ans. Voilà. Donc pour résumer ce match. Pour résumer ce match CentOS vs Debian. Donc CentOS 7
à 10 ans de support, Debian 8 en a 5. L'adresse IP fixe n'est pas possible sur Debian dès l'install si on dispose d'un DHCP. Alors que CentOS 7, on peut configurer ça, mais par défaut, si on ne prête pas attention, le réseau est désactivé sur CentOS 7. Pour les deux, on a procédé à une install en version minimale. Pour CentOS 7, désactivation de KDump. Pour la Debian 8, installation de base plus SSH plus les utilitaires usuels du système. Côté partitionnement, CentOS 7 et Debian 8 ont eu un partitionnement automatique. CentOS 7 a donc un LVM avec une racine de 42 Go, donc en gros qui prend quasi tout le disque, un swap de 2 Go et un boot de 1 Go. Debian, c'est un slash, donc une partition racine de 43 Go et 1,9 Go de swap. Par défaut, à l'install, on met le mot de passe de root et on peut initialiser un utilisateur. Sur CentOS 7, on peut choisir si cet utilisateur est sudo ou pas. Sur Debian, l'utilisateur n'a pas la capacité de utiliser sudo. Dans les deux cas, c'est un DVD d'installation qui a été utilisé pour faire l'installation. CentOS 7 se fait complètement en mode hors ligne. Mais après, il faut se taper des mises à jour. On en a très exactement 40 post-install. Alors que Debian, on fait une install depuis le DVD, mais si on a la connexion Internet, il nous fait les mises à jour au passage. Hop là, je vais mettre une petite flèche pour le noter. Donc, pour CentOS, les miroirs sont choisis automatiquement suivant une API. Alors que sur Debian, on a le choix du pays, bien que le CD... Merde. Le CD soit encore proposé à l'install, à la fin de l'install. Alors j'ai peut-être fait une fausse manip, je ne sais pas. Il faut aller quand même désactiver le CD-ROM dans les dépôts, enfin dans le fichier source.list. Le DVD utilisé donc pour CentOS 7, c'est le DVD CentOS 7 64 bits édition 16-11. Et pour Debian, c'est le CD Debian 860 AMD 64. Côté composants, on a un kernel 3.10 sur CentOS contre un kernel 3.16 sur Debian. CentOS utilise systemd 219 et Debian 8 systemd 215. Pour les deux distributions, le grub par défaut, son temps de sélection, c'est 5 secondes. Une fois le système démarré avec l'installation précédemment décrite, on a 91 MO de RAM utilisés pour CentOS 7 et 97 MO de RAM pour Debian 8. Côté charge système, on est à 0,05 pour CentOS 7 sur la dernière minute et la charge de Debian 8, c'est 0,01. Les deux processeurs sont complètement au repos une fois le système démarré. La partition racine est occupée à 1,2 Go sur CentOS 7. Il faut rajouter les 147 MO du slash boot, alors que Debian 8 est à 1023 MB, donc un petit peu plus d'un giga, utilisé sur la racine. Donc Debian est un peu plus légère en place sur le disque. Au niveau du démarrage, grâce à l'outil systemd analyse, on a une petite info, c'est que le démarrage de CentOS 7 prend 11 secondes 317 contre 8 secondes 659 pour Debian 8. L'installation d'un serveur web, donc Apache plus MariaDB serveur plus PHP 5, donc sur CentOS 7, ça fait 43 paquets en dépendance plus les 3 paquets précédemment cités, donc 46 paquets contre 32 chez Debian. Ce qui représente 160 MO à télécharger sur CentOS contre 21 MO sur Debian. Les dépôts sont au top du top à 10 MO seconde. Pour les deux, on a une pointe à la vitesse maxi de ma connexion, ou quasi. Au niveau de l'installation de MariaDB sur Debian 8, on aura noté qu'il nous aura posé 3 fois la question de configurer le mot de passe root pour le système de base de données.
Après l'installation de tout ça, on a 182 MO utilisés chez CentOS 7 et on a eu 659 MO utilisés sur Debian 8. Mais si on enlève tout ce qui est buffer et cache, on se retrouve à peu près kiff-kiff avec 1369 mégas de libre sur CentOS 7 contre 1351 mégas de disponible sur Debian 8. Le CPU est utilisé à 0,2% sur CentOS 7 et 0% sur Debian. Les versions donc, de la pile lampe. Donc pour CentOS 7, on a Apache 2.4.6 et Debian 8, on a 2.4.10. PHP, on est en 5.4.16 pour CentOS et on est en 5.6.29 pour Debian 8. Et MariaDB, on est en version 5.5.52 pour CentOS 7 et on est en version 10.0.28 pour Debian 8. Et après l'installation du serveur web et de moteur de base de données, au redémarrage, on est à 13 secondes 225 pour CentOS 7 contre 10 secondes 201 pour Debian 8. Voilà, et juste on va noter pour terminer cette petite conclusion que VI est disponible comme éditeur de texte sur CentOS 7 et qu'il est par défaut. Sur Debian 8, on a VI et Nano, mais c'est Nano qui est par défaut pour la commande vsudo. Voilà. Eh ben, j'espère que ce petit test et cette petite confrontation CentOS Debian vous aura plu. N'hésitez pas à mettre une petite info dans les commentaires. Je vais rédiger de ce pas l'article sur le site linuxtricks.fr. Et moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao!